Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous regardez cette vidéo bien posée où vous voulez. Comme on est en vacances, on se fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est moi qui Nicole pour répondre à toutes les questions. Alors, première question de Nolwenn, est-ce qu'on s'entend tous très bien? Alors, bah oui, après, voilà, c'est une grande famille qui retourne. Donc, comme dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Mais voilà, il y a des groupes qui s'entendent très bien, voilà. Et après, bon, il y a des plus petits et des très grands, donc c'est vraiment une affinité, voilà, comme une connaissance, mais tout le monde s'apprécie, donc oui, il y a quand même une bonne ambiance à Cartoon entre nous. Mais pour mieux vous en rendre compte, on va vous laisser avec ce petit extrait. Non, mais je crois que Jimmy et Gaël n'ont pas compris. C'est vrai, pourquoi ils ont compris? Oh, Jean, tu es trop drôle! Oh, c'est de l'herbe! Sur les trucs de la Coupe du Monde. Okay. Surtout quand tu lances les trucs de la Coupe du Monde. Allez, là. Comment t'as vu ça? Allez! C'est une blague! T'es prête? Ouais, deux, j'ai pas forcé! Allez, c'est moi, Choupi! Je marche en l'air, Nicole, je te donne mes amis, tous ensemble, on rigole! Justement, ça va, c'est ça qui est drôle! Mais ouais, ouais, t'as vu, t'as vomi les parents, ils arrivent, c'est chaud! Ah. Oh, mais c'est bon! Action! On s'en fout. les origines campagnardes. Elle l'a dit à la. On s'en fout. La campagnarde. On s'en fout. Elles sont là. Non, j'étais pas très à l'aise dans mon corps là. C'est la guerre que tu veux ou... Ouais. Oh, bah, tu vas la voir. C'est mon cliché. Mais ça fait vraiment. Vous savez que ça sonne en cours de maths tout à l'heure. C'est une question donc de Bastien. Donc, est-ce qu'on peut participer à la prochaine série de Cartoon? Alors en fait, c'est un peu compliqué parce que il faut déjà être inscrit, voilà, pour des raisons évidentes. Et il faut aussi être disponible parce que c'est déjà difficile même pour nous de trouver des dates où on est tous là pour filmer. Donc, il faut vraiment être sur place, disponible et inscrit. Donc ensuite, j'espère que ce n'est pas une question tendancieuse. Donc de Fatima, donc pourquoi il n'y a pas de noir? Bah tout simplement parce que ils s'inscrivent pas, voilà, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas de sélection, donc c'est comme ça, c'est tout. Et si vous regardez bien, même sur des sketchs ou sur la chaîne, on a eu des personnes noires, donc il n'y a vraiment pas de sélection et c'est tout, c'est comme ça. Donc une prochaine question de Simon, comment on fait pour s'inscrire à Cartoon? Ça c'est une question qui est beaucoup posée. Et donc avant les 100 000 abonnés c'était assez facile de s'inscrire parce qu'on était un peu dans notre coin entre nous. Et depuis donc, les 100 000, il y a plus de monde qui veulent venir donc c'est plus compliqué de s'inscrire. Et il faut vraiment être sur place donc maintenant c'est assez complet pour les inscriptions. Donc c'est un peu difficile de s'inscrire. Donc une prochaine question de Nadia, est-ce que la série est vraiment interdite aux moins de 12 ans? Alors non, en fait elle fait pas vraiment peur, c'est juste c'est un code du cinéma, on est un peu obligé de le mettre. C'est s'il y a des personnes plus sensibles que d'autres, donc si vous aimez un peu les histoires d'horreur et que vous en regardez souvent, normalement ça passe, mais c'est juste de la prévention en fait. Donc n'hésitez pas à demander à d'autres personnes qui l'ont vu si ça passe ou pas pour vous. Donc ensuite, une question qui revient assez souvent aussi, c'est est-ce que Cartoon c'est une école? Alors non, alors je vais essayer d'être assez claire. Cartoon c'est une activité comme toutes les autres, comme par exemple vous iriez à la danse,
à la natation ou je sais pas. Et c'est vraiment après les cours. Et donc ça tourne tous les soirs après les cours et tout le mercredi après-midi. Donc voilà le bâtiment. Donc nous, on est au dernier étage, mais de l'autre côté. Tout en haut là-bas, il y a la musique. En bas, il y a la sculpture. Là-bas, il y a les salles d'art plastique et les salles de dessin. Donc là, tous les étages ici, c'est de la musique avec les échecs, etc. Et tout en haut, à partir du projecteur, on a Kertoon. Donc on a toutes les fenêtres à partir du projecteur jusqu'aux escaliers. Donc voilà, c'est pas du tout une école, c'est un atelier, voilà, juste derrière là. Voilà, c'est notre studio où on essaye plein de choses, des sketchs, des films, des séries. Donc le mot qui reste le plus important ici, c'est vraiment le loisir. Donc cette année, ça a été une année assez exceptionnelle pour Kertoon parce qu'on a eu la chance d'avoir été exposé en photo dans une grande ville qui est Vannes. Donc on est resté pendant environ 2 mois et c'était vraiment super. Donc le principe, il était simple, c'était un club photo qui nous a pris pour support. Mais je vous propose tout de suite de découvrir ces photos. Donc il y en a beaucoup qui nous demandent aussi est-ce que le film L'Impasse va être diffusé sur YouTube. Donc pour l'instant pas encore parce qu'il tourne encore dans les cinémas, donc depuis 2016 déjà. Et il faut vraiment qu'il soit accompagné parce que c'est un film assez dur. Donc pour le moment il n'est pas encore diffusé et on verra par la suite. J'en profite aussi pour faire un coucou à Macadam, donc l'association de motards qui assure toutes les diffusions du film. Donc le film il est gratuit pour les collèges et pour les lycées, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un de personnel de votre collège ou de votre lycée. Comme ça il prendra contact avec nous et on pourra lui envoyer le film. Et dans ce film vous pourrez voir des personnes qu'on voit assez souvent sur notre page YouTube. Donc voilà, je pense que ça fait assez d'informations pour aujourd'hui. Putain, elle va me le payer ça. Faire sa rubrique à sa place. Tiens, quand on parle du loup. Allô Malo, t'es où? Non mais je m'en fous qu'il soit beau, gentil ou je sais pas quoi. T'as une rubrique à faire, tu l'as fait. Non mais je te jure, je la ferai pas 2 fois. Hein. Tu vas me le payer ça. Bah oui, au McDo. Non mais je m'en fous de ça, je l'ai fait une fois, je le ferai pas 2 fois. Et d'ailleurs, ils sont où les autres? Comment ça? Pourquoi ils sont tous à la plage? Ah donc c'est pour ça qu'il y a personne dans le studio là. Non mais c'est bon, c'est...